Ok, bien salut tout le monde les gens, comment allez-vous? Moi ça va très bien, j'espère que pour le même et bienvenue pour un nouvel épisode sur le serveur Minecraft. Et aujourd'hui je suis en compagnie de mon pote Zachary, salut. Salut. Alors, il y en a certains qui le connaissent car j'ai déjà fait des vidéos Naruto avec lui. Donc, en fait, il connaît un petit peu Cole Lyoko, mais c'est pas forcément un fan hardcore comme moi. On voulait faire d'autres vidéos mais ça a pas marché, du coup il m'a dit bah tu sais quoi, tu vas montrer le serveur. Du coup dans cette vidéo je vais tout simplement lui présenter un petit peu le serveur. Et en même temps, on va faire des choses qu'on n'a pas encore vues dans les vidéos, notamment le territoire du désert qu'on a très très peu vu. Du coup, je te propose de me suivre pour le moment. Je dis ça juste pour mes viewers, si je poste un jour cette vidéo, vous avez pas eu l'intro parce que j'ai oublié de mettre le son sur OBS. Oh mais c'est voilà, trop voilà. Bien ça. Eh mais attends, on peut remonter tu dessus. Ah oui. Non, on peut... Oh, je savais pas, c'est trop bien. Et vraiment, ils ont fait un tas de tu vois, donc ça, c'est l'usine. Alors là, t'as le... t'as l'ascenseur. Viens, on va le prendre vu qu'il est là. Donc en fait, tu cliques là. Et okay. Là, je vais mettre la broom. On va aller au laboratoire. Tu vois, c'est plutôt stylé. Oh, ok, il faut juste appuyer comme ça, ok. Ouais. Ça marche. Donc tu vois, il est super bien fait, hein, l'ascenseur, tout ça. Ah, ils ont fait un taf de malade. Ah ouais, tu vois, c'est incroyable. Aussi, je tiens à préciser pour les gens qui regardent la vidéo, moi, à l'heure où je vous parle, l'épisode 3 vient seulement d'être publié. Comme ça, j'ai pas encore eu... Enfin, s'il y a des choses que je fais ou que je fais pas, j'ai pas encore eu vos commentaires, c'est pour ça. Du coup, là, t'as le laboratoire. Donc, tu vois, t'as l'holomap comme dans la série. Ouais. Donc, t'as le fauteuil et tout. Alors, en fait, faut s'asseoir dans le fauteuil. Faut aller sur le bouton. Ok, il y a une tour activée dans la montagne, et ben on va aller la désactiver. Nickel ça. Du coup, en gros, tu vas pouvoir choisir ta classe. Moi, je vais prendre Geisha. Et toi, bah, je te laisse choisir ta classe. Ok, alors je dois m'asseoir, t'as dit. Ouais, tac. Tu fais clic droit, et tout en haut à gauche, t'as la classe. Tu prends la ouais. Classe que tu... Moi, je te conseille une des deux classes avec des épées. Comme ça, tu auras un Selection. Pouvoir... Class Selection. Geisha, Samurai... Warrior. Chacun a des alors, pouvoirs, tu vas découvrir moi ça j'aime après. Bien. Allez, c'est bon, j'ai pris Warrior. Ok, donc vas-y, viens, on va descendre par la petite trappe. J'aurais on va pu descendre mettre à la salle des Warrior. Scanners. Franchement, c'est super bien fait. Ah ouais. Donc, en gros, pour Bon. Te virtualiser, tu vas dans un scanner et tu sautes. Et ça va lancer la virtualisation. Pourquoi ça marche pas? Ah, c'est bon. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Alors, première chose, je baisse le son. Oh merde, j'ai pas regardé dans quel territoire on était. Ah, on est dans l'aréna. Oh mon dieu. Eh ben, on va passer dans le... Non. Oula, attends. Ah, non. Eh ben, on va passer par ici, tant pis. Donc là, on est dans le cinquième territoire. Je sais pas si tu te souviens un peu à quoi il ressemblait dans la série. Ouais, je m'en rappelle bien. Ok, et alors du coup, on va passer par là. On va essayer d'aller dans le territoire de la montagne en passant par ici. Donc tu vas voir, c'est assez labyrinthique. Alors on va essayer d'aller à l'arène. Ah, je me rappelle de ce passage dans ta vidéo. Skid Blackmire, Maze... Attends, viens. Attends, on va essayer... Non, viens, on va passer par là. Je pense okay, qu'on peut y accéder en passant par ici. Attends, ah, waouh. T'es où? Ouais, mais non, là on est à l'arène. Attends, et si on descend? Ok, non. Bah, c'est pas là. Ok. Bon, bah, c'est pas là. Je me souviens plus du tout comment on va à l'aréna. En gros, l'aréna, c'est, tu sais, la voûte céleste. Je dis l'aréna, mais non, je parle de la voûte céleste depuis le début, excusez-moi. Du coup, bah, viens, on va aller se perdre dans le labyrinthe. Bah, vas-y, tu me suis. Parce que c'est la première. J'ai des pertes d'FPS. Ouais, comment moi aussi, un peu avec les shaders. Le territoire est super gourmand. Je crois qu'en fait, on s'est juste perdu. Je vais enlever le shader, moi, parce que ça lag vraiment beaucoup dans le suis mon instinct. Du coup... Moi, je sens là. Ça se trouve, tu vas m'emmener à la tour. Ce serait marrant que tu trouves la tour que j'ai galéré à trouver dans le dernier épisode. C'est un des succès les plus durs à avoir sur le serveur. C'est quoi, ça, cette plaque? C'est rien, c'est juste pour la lumière, je pense. Ah, ok. Mais par contre, je crois qu'on tourne en rond. Hein. Ah, attends, là, ça me dit rien. Oh putain, on tourne en rond, on est déjà venu ici, on n'a pas été par là-bas. Donc là, en gros, on est dans la partie labyrinthique du cinquième territoire. Il y a la clé là-haut. Ok, mais je crois que ça sert à rien d'appuyer sur la clé. Non, ça sert à rien. Bah merde, comment on va à la voûte céleste? Ah bah ça, c'est bête. Ah, à mon avis, c'est ici. Yeah, parfait.
Ah, t'as vu mon instinct, hein, il est comment? Il est bien. Télé... Ah, attends, viens, on va aller faire un succès. Fais clic droit, clic gauche. Ouais. Voilà. Ok, viens. Là, on est dans la salle du cœur. Waouh. Donc, je crois que j'étais venu dans mes premières vidéos. Oula, j'ai failli tomber dans la frontière. Ah, j'aurais dû t'expliquer pour la frontière. Surtout, faut vraiment éviter de tomber dans la mer numérique, parce que c'est relou. Pourquoi? Parce que, en gros, sinon, tu dois attendre genre 5-10 minutes que ton personnage y revienne de la frontière. Ou alors, faut qu'il y en ait un de nous qui retourne à l'interface pour aller sauver l'autre. Et là, en fait, je vais mourir si je continue. Donc là, en gros, il y a un succès qui consiste à taper le... à essayer de détruire le cœur. Donc, on... okay. Je vais essayer de le taper parce qu'en gros, j'aimerais bien avoir tous les succès du jeu. Genre, c'est un peu l'objectif de la série. Et genre, tu peux sauter là et c'est bon? Je sais pas. Comment on est... Je suis mort. Ok, j'arrive. Interface Easter Egg, c'est quoi ça? Ah ok, bah je suis pas encore vétéran. Alors, fais clic gauche. Clic gauche. Ok. Oh. Alors, fais attention, c'est un territoire où il faut jump. Ok. Je te le dis direct. Donc si on meurt, c'est relou. Franchement, okay, si on meurt, c'est relou. Donc ça, c'est le territoire montagne. Je sais plus si tu te souviens à quoi il ressemble dans la série. Et là, notre objectif, ça va être de trouver la tour numéro 10. Donc c'est une tour qui va avoir un halo rouge au-dessus d'elle. Là, tu vois, par exemple, il est vert. Oh, j'ai failli tomber. Ah ouais, fais gaffe avec ton pouvoir. Ah oui, au fait, du coup, moi, c'est quoi mon pouvoir, là? Ok, donc moi, faut que je... Et est-ce que je peux l'annuler? Non, faut que t'attendes qu'il soit fini. Et alors, si jamais il te manque des points de vie, rentre un peu dans la tour. Bah, viens voir l'intérieur des tours, c'est stylé de ouf. Ok, ouais. Tu trouves pas l'entrée? Non. Là. Ok, waouh. Ah ouais, ça déconne pas en plus avec le son. Ouais. Ah ouais, c'est hyper stylé. Et du coup, là, faut qu'on en trouve une comme ça, mais qui a un halo rouge. Ok. Bon. Alors, mais ouais. Le problème, c'est que ce territoire... va falloir jump. Attends, j'aimerais tester, mais... quoi, Warriors? Non, t'as qu'un seul pouvoir par personnage. Ok. Je sais pas, c'est écrit Warriors. Ouais, mais apparemment, ça marche pas. Ou alors, faut peut-être qu'il y ait des monstres. Du coup, bah là, on n'a pas le choix de refaire le jump dans l'autre sens. J'ai vraiment peur. On va à droite ou à gauche? Droite. Ok, vas-y. Ouais, il y a moins de jump. Ah, j'ai même pas regardé. Donc vraiment, si on tombe, c'est un peu relou. Après, bah tant pis, c'est le jeu. Hein. Mais ça, c'est le territoire que j'aime le moins, entre guillemets. Bah, c'est... enfin, je trouve pas qu'il est mal fait, mais je trouve que c'est le moins bien fait du serveur. Mais en même temps, je trouve que c'était un petit peu le plus difficile à adapter. Oh, on a trouvé la tour. C'est vrai? Oh, ouais. Bah super. T'as vu? Ouais, on a eu de la chance. Bah comme ça, tu vas pouvoir... Alors, là, il y a des blocs. Fais attention parce que ils peuvent te pousser dans le vide. Est-ce que je peux l'attaquer d'ici? Est-ce que je peux lui faire mon pouvoir lévitation? Oh, regarde. Ah. Oh. Ça marche comment? Mais ça a rien fait? Attends. Ok, parce que déjà, il y a le jump. Bon, bah vas-y, on y va. Attends, moi, je vais essayer... Est-ce que tu vois mon arme, ce qu'a fait? Ouais, je vois très bien. Alors, quand tu vas taper le bloc, faut vraiment que tu le tapes dans son signe au milieu. Ouais, sinon, bah, comme... Ouais, comme dans la série, t'as tout dit. Aïe! Allez. Ok. Par contre, je crois que c'est assez dur de... Ow. Ok, j'ai réussi à le mettre. Il me tire dessus. Va dans la tour, va dans la tour pour regagner de la vie. Ouais. J'arrive pas à l'avoir. Ah, c'est... je l'ai eu. Yes. Ok, alors pour aller désactiver la tour, va au milieu et saute. Ok. Oh. Ah bah pourquoi ça marche sur toi, ça marche pas sur moi? Ah si, c'est bon. Et tu cliques sur code Lyoko, pas sur code Terre surtout, s'il te plaît. Pourquoi je suis coincé comme ça? Mais faut que tu bouges. Ah ok. Et là tu cliques sur code Lyoko. Et pourquoi pas code Terre? Parce que sinon ça va te ramener. Donc voilà, donc là t'as désactivé une tour. Regarde, ça te fait comme dans la série. Ah ouais, Advanced, ouais. Ah Elita, code Lyoko. Et là, mais tu je suis pas allé à Elita. Oui, mais s'il fallait prendre à Elita, ça aurait été relou. Donc et là, après, tu peux redescendre dans la tour en lévitation. C'est tellement bien. J'adore.
Du coup, ce qu'on peut essayer de faire aussi, merde, j'ai eu un bug. Essaye de tomber de la tour, genre sur les côtés. Là? Ouais. Ok. Ok, ouais, j'arrive. Et... normalement, ça t'a mis dans un autre territoire. Ok, et c'est le... j'aimerais bien que ça soit bon qui... j'ai sauté. J'ai vraiment... je suis vraiment le plus... non, t'es tombé? Non, j'ai sauté. Du coup, je monte. Ah, et je descends. Ça monte et ça descend. Moi, j'ai un problème. Genre, j'arrête pas de remonter dans les tours. C'est assez saoulant. Ok. Et on ça est... touche la plupart des Lyoko derrière. Oh yes, on est dans la banquise. Ok, la banquise, j'adore. Je sais pas si t'es un shader, mais elle est magnifique. Non. C'est, je trouve, le plus beau territoire. Avec les passages comme ça, là, avec l'eau, c'est hyper stylé. Donc ça, c'est pas de la mer numérique, hein. Tu peux y aller. Mais étrangement, ça fait des dégâts. Je comprends pas trop pourquoi. Parce que dans la série, ouais. Dans la série, ils plongent dedans et tout. Donc, on peut se balader un peu si tu veux. Alors, je sais pas si on peut croiser des monstres s'il n'y a pas de tour activée, genre. Mais, ah ouais, avec ton pouvoir, sur la glace, tu dois aller hyper vite. Ah, mais j'arrive pas à contrôler. Donc, en soi, ouais, là, c'est vraiment cool. Mais c'est super stylé. Ouais, vraiment, le serveur est incroyable. Enfin, moi, je trouve. Alors là, tu vois, par contre, apparemment, on est obligé de passer sur les câbles. Quoique, non, on peut même pas passer dessus. Donc là, en fait, on est dans un cul-de-sac. C'est bon, je suis. T'es où? Mais comment t'as fait? Bah, j'ai sauté là. Aïe. Mais comment t'as fait pour sauter là? Je pense que c'est grâce à mon pouvoir. Ah bah oui, t'as speed, moi je peux pas. Attends, bouge pas. Mais... ah, rapproche-toi un peu quand même. Ouais, comme ça. Oh, on peut se taper. Je me casse. Ok, allez. Oh, le sale... sale paf. Je me casse. T'es à cause de l'eau? Non. Parce que j'ai mal calculé la profondeur du sol. Mais attends, moi je vais me faire dévirtualiser par l'eau pour savoir ce qui se passe. Allez, je suis dans l'autre. Dans le cinquième territoire? Ouais. J'ai pas le choix, je dois tout refaire. Attends, j'arrive. Non, t'inquiète, reste où t'es. Moi je connais le chemin par cœur. Non, mais attends, on va changer de territoire en même temps, j'arrive. Est-ce que tu veux voir un autre territoire? J'aimerais bien voir le désert, ouais. Et ben on va dans le désert, parce qu'en plus, je l'ai jamais montré en vidéo. Comment tu fais? Tu cliques gauche. Ah, voilà, ok. Et ben il est vraiment pas mal. Wow. Il est vraiment cool. J'aimerais bien voir un cagne. Moi, c'est celui que j'aime le moins. Arrête. Ça fait mal? Encore un pouls et tu me tues. Oh, j'ai réussi à te choper. J'étais grave loin. Si tu vas sur le caillou, tu vas mourir après en descendant. Mais c'est bon, là. Mais encore un coup et je meurs, donc évite. Mais je suis vraiment pressé qu'ils mettent les véhicules. Je pense qu'ils les mettront un jour. Mais oui, c'est sûr. Mais en plus, je pense vraiment que c'est pas le plus compliqué à faire. Ça sera le cadeau de Noël. Peut-être. Du coup, bah voilà, qu'est-ce que t'en dis du serveur, toi? Ah bah, franchement, il est bien. Ouais, ah, vraiment. Franchement, je suis... pour les fans de Call Lyoko, il est incroyable. Après, moi, j'ai regardé tes vidéos, mais regarder et y être, ça ah bah, change. C'est... mais en plus, j'ai découvert ça genre totalement par hasard. Parce qu'à la base, tu sais, vu que je suis en train de faire les trois jeux Call Lyoko qui existent officiellement, chercher s'il y avait d'autres fan games, d'autres projets intéressants, tu vois. Et à la base, je savais qu'il y avait une map Minecraft Call Lyoko qui était juste sympa à visiter, mais ça aurait été le temps d'une vidéo, quoi. Ouais. Et quand j'ai vu qu'il y avait un serveur, je me suis dit, putain, par contre, je suis perdu, là. Ah non, je vais vers une autre tour. Mais, ouais, vraiment, l'opening. Parlons juste de l'opening de Call Lyoko. De l'opening, ça carrément. Ouais. Pourquoi? Générique? Bah, ouais, c'est bizarre de dire un opening pour ça, je trouve. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai...
Un demi-cœur. Tu me... Non. Ça, c'est marrant, on dirait... Ah bah, c'est la tour, si je dis pas de... Je crois que c'est celle qu'on voit au début de la saison 4, celle-là. Pour ceux qui connaissent, confirmez-moi ça en commentaire. Je vais te choper, hein. T'as grave l'avantage sur moi. J'ai un dé. Tu vas trop vite. Non, je vais mourir, je vais mourir. T'es où? J'ai un demi-cœur. Ah là, je vais t'avoir. Bon, vas-y, on va terminer la vidéo là-dessus, on va se taper. Non. Je vais t'avoir. C'est trop chiant avec mon arme, c'est trop dur. C'est hyper lent. Attends. Comment ça, dans 12... 45 secondes, pas de... Je te déteste. T'as perdu, là. Bon, bah voilà. Du coup, c'est la fin de cette petite découverte du serveur avec Zachary. Ouais, c'était bien sympa. Donc, si jamais t'es chaud ou quoi, tu me diras, on fera un truc. Moi, ouais, il me reste pas mal d'achievements à faire. Bon, bah, j'ai encore pas eu celui du cœur. Faut que j'y retourne avec un perso qui a une épée. Mais ouais, j'ai fait... là, en vrai, je peux faire la moitié facilement. C'est surtout sur Terre qu'il me reste des choses à faire. Mais en tout cas, je te remercie de m'avoir accompagné et d'avoir proposé merci l'idée. Merci à toi. Ouais. Et, de base, on devait filmer du Naruto Impact. Ouais. À cause de ma connexion sienne, Enfin, on a eu un petit souci, du coup on s'est rétracté là-dessus. Du coup, bah, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je pense, pour ceux qui se posent la question, il y aura encore des vidéos sur le serveur, que ce soit tout seul ou avec Zach ou avec Kreos ou quoi. Ouais. Et je compte toujours faire, quand j'aurai tout fini, une petite session avec les abonnés ou quoi. Je pense que je m'occuperai de ça, mais je sais pas encore trop comment organiser ça. Du coup, je remercie vraiment les gens. N'hésitez pas à commenter, liker, tout ça, vous connaissez. Et je remercie Zachary encore une fois et je vous dis allez, salut tout le monde.